À moins que je ne me trompe, il nous manque un mangeur. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore là? Je pense que votre mangeur est aussi un gros buveur et un gros dormeur. J'ai eu beau essayer de le réveiller tantôt, j'en étais quitte pour ma peine. Edmond, allez donc me désensommeiller notre sacripant. Il vaudrait mieux que ce soit rapidement. Je n'aime pas les bruits de gargouille que fait mon estomac vide. Mon avis, c'est qu'on n'a pas encore tout vu avec l'énergumène que vous nous avez amené hier de Montréal. Attendez qu'il se mette à peindre, vous verrez bien. C'est bien ça qui m'effraie, qu'il se mette à peindre. J'ai l'impression que les flammes de l'enfer vont nous brûler de près tantôt. Rien comme un beau feu, fut-il de l'enfer, pour que s'embrase la beauté. Philosophie, si vous voulez. Mais si le pire devait survenir, vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas averti. Je ne pourrais certes pas dire ça. Si vos pinceaux se dressent aussi bien que vos cheveux, je ne doute pas de votre talent. Asseyez-vous et mangez. Je pense que vous en avez besoin. Pour manger, peut-être avez-vous un système différent de celui qui est en vigueur dans la plus belle paroisse du grand diocèse de Trois-Rivières? Imaginez que ma nuit avait été dure. Et c'est rien en équipolant avec où je me retrouve maintenant. Ne venez pas me chanter ce genre de chanson-là dans mon presbytère. Je chantais pas. Je vais juste dire que les cheveux me font un peu mal, rien d'autre. Avec tout ce que vous avez bu hier de Montréal aux Trois-Rivières, le contraire serait surprenant. Voilà d'ailleurs une première chose qu'on va mettre au point, Leonardo. Ici, je ne veux pas vous voir avec un flasque à la main. S'il devait vous arriver de boire, ce sera en ma compagnie, et pas autrement. J'espère bien ne plus avoir à revenir sur le sujet. Pour le petit déjeuner, nous le prenons tous ensemble, ici, à la même heure. Débrouillez-vous pour y être en même temps que nous autres. On n'ira pas vous secouer les plombs tous les matins dans votre chambre pour vous réveiller. Delicia vous gréera d'un cadran, s'il le faut. J'ai pas l'habitude de me lever tôt parce que c'est généralement la nuit que je peins. Ce que vous faisiez à Montréal, mettez-le au passé. Pour aller pisser, il faut que je demande la permission aussi. Pour avoir quelque chanoine caron. Delicia, laissez Delicia. Je crois que pour le moment, vous en savez suffisamment sur ce que vous devez faire. En tout cas, en ce qui concerne l'aspect domestique des choses. Après le petit déjeuner, je vous ferai voir le travail qui vous attend et comment j'en envisage sa réalisation. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Après tout ce que vous avez ingurgité hier, vous en avez bien besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Dieu, bénissez le repas que nous allons prendre. Et bénissez aussi cette belle journée qui commence. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vous n'êtes pas raisonnable. À votre âge, on passe pas la nuit à dormir assise dans un fauteuil. Vous devez être toute courbaturée. Ah, les courbatures. Je les sens pas tellement dans mon corps. C'est dans ma tête qu'elles me donnent de la misère. Comment va Ourise? Elle s'est endormie qu'avec le petit matin. Je m'en doutais bien que c'est ce qui arriverait, mais je pouvais vraiment pas l'emmener voir Roxane. Elle aurait deviné ce qui se passe et ça lui aurait fait de la peine pour rien. Elle en a quand même. Ah, je sais. Ourise a beaucoup changé depuis quelque temps. Avant, sa sensibilité était comme tournée vers elle-même. Et quand Ourise voulait la manifester, elle le faisait seulement avec ses toupies qui chantent. Maintenant, on dirait qu'elle se sent autrement. Elle se sent autrement aussi. Vous qui êtes presque tout le temps avec elle, vous expliquez ça comment? Je pourrais pas dire. J'ai beau étudier là-dessus depuis des années tout en m'occupant d'Ourise, je pourrais pas apporter de réponse véritable. Et ce goût pour la peinture qui lui est venu? Pendant des années, Ourise nous a accompagnés à la galerie sans que ça ne déclenche rien en elle. Elle regardait, et c'était à peu près tout. Même quand on le lui demandait, elle refusait de dessiner. Et maintenant, elle pourrait y passer tout son temps. Pourquoi? Peut-être parce que la peinture a changé aussi. Avec Paul-Émile Bordua et les autres peintres que vous exposez à la galerie, on se retrouve dans un tout autre monde qui peut-être correspond davantage à ce qui se passe dans le corps et la tête d'Ourise. Devrais-je m'en inquiéter? Je pense pas, bien au contraire. Oh. Je vous apporte du café? Oui, s'il vous plaît. Mais avant, apportez-moi donc mon grand album de photos. Votre grand album de photos? Même quand Ourise veut le regarder avec vous, vous dites toujours non. Quelque chose me chicote.
Quand je suis allée chez Mme Félix hier, il m'a semblé que je l'avais déjà vue quelque part avant. C'est un peu normal. Après tout, elle vit pour ainsi dire à côté de la galerie. Et ça date pas d'hier. Vous avez dû la voir quand elle sort le soir, toujours avec ses lunettes noires. Non, 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 je ne parle pas de ça. Bon, ça doit remonter déjà très loin dans le temps. Mais je suis certaine de l'avoir vue quelque part. Et dans une circonstance tout autre. Et j'ai l'intuition que c'est dans mon grand album de photos. Merci. Pendant que je regarde ça, le café sera le bienvenu. Bérangère Blondeau à l'appareil. Asseyez-vous, Émile. Oui, je sais, mais c'est votre décision. Vous voulez m'en parler? Alors, venez, Émile, je vous attends. Déjà me permettre un commentaire. Je ne suis pas allé à Montréal vous chercher hier pour que vous me fassiez vos commentaires avant même d'avoir vu ce que vous devez voir. Je pense que j'ai déjà tout vu. J'ai pas dans l'idée que mon impression pourrait changer quand bien même je zieuterais les autres stations. Votre point de vue n'est encore que le point de vue de Montréal. Si vous êtes dans la plus belle paroisse du grand diocèse des Trois-Rivières et c'est moi qui suis le chanoine de cette belle paroisse-là, alors ne mettez pas la fin avant les moyens. Que votre œil se sustente de toute l'ignominie de la peinture. On ne vous demande pour le moment rien d'autre. Chanoine Caron, est-ce que je pourrais vous dire quelque chose? Si c'est pour faire du grésil dans le point de vue du grand diocèse des Trois-Rivières, peut-être ne vaudrait-il mieux pas. Je sais bien que vous me reprocherez toujours de venir de Trois-Pistoles. Une bourgade dans le diocèse de Rimouski où le monde ne sait rien faire. Mais là, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous le détestez tellement, ce chemin quoi? Parce qu'il privilégie le péché au détriment de l'idéal de la vertu qui est la beauté. Ça me paraît pas évident. Il semble que tous les chemins de croix se ressemblent. Je pensais ça aussi quand j'étais qu'un simple vicaire à Saint-Damien-de-Bellechasse. Il y avait là une petite église à l'intérieur de laquelle on retrouvait un chemin de croix odieux parce qu'il prenait toute la place. Avec ce chemin de croix-là, on n'était ni au ciel ni sur terre, mais en enfer, tant ça saignait de partout. Moi qui sortais du grand séminaire, je ne comprenais pas que c'était là une injure à tout un peuple de paysans qui travaillait assez fort pour qu'au moins l'Église lui redonne sa beauté, ne serait-ce qu'une fois par semaine. C'était là le rêve du curé de Saint-Damien-de-Bellechasse. Mais tout le monde était contre son rêve. Vous savez ce que ça a donné? Je sens que vous allez nous amener encore en hérésie. Oui, tout à fait, Délicia. Mais l'hérésie, c'est parfois ce que l'Église elle-même ne veut pas comprendre. J'aime mieux m'en aller. Pour faire une longue histoire courte, il me suffit de vous dire ce que mon curé a fait un jour. Il a agi comme vous hier. Il a bu dans une nuit tout le vin de messe qu'il pouvait. Et puis, au petit matin, il est entré dans son église, il a fait son chemin de croix. Mais à l'envers, parce que la laideur l'horrifiait. Quand je suis entré dans l'église, en même temps qu'un petit groupe de paroissiens, j'ai vu mon curé tourner le dos à la première station du chemin de croix, soulever sa soutane, et il était nu en dessous. Pour lui, montrer ses fesses, c'était répondre humainement à la laideur de l'Église. Inutile de vous dire que mon curé a pris rapidement le chemin de Mastailly, où on l'a interné pour insanité, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, jeune homme, la grande erreur que vous devez réparer. Et parce que vous en savez le pourquoi, suivez-moi. Je vais maintenant vous en montrer le comment. J'ai bien peur que je ne saurai jamais atteindre à la hauteur de votre curé. Je ne vous en demande pas tant. Je vous demande simplement de faire de la beauté.
J'étais saoul hier quand je suis arrivé. Mais dans mon délire, il me semblait avoir parlé d'enfer. Mais je pense que c'est exactement là où je me retrouve maintenant. Tu devrais être content. Parce que moi, si j'avais au moins ça, je serais déjà plus que satisfait. De théâtre, vous arrivez un peu tôt, je trouve. Ah, Mireille m'a parlé de l'oiseau rare que vous avez déniché à Montréal. J'avais hâte de regarder ça de près. Ah, on dirait une grosse bête qui a passé plus que la dernière nuit de sa corde à linge. Ah, tout le monde ici m'appelle le bonhomme Panton. Je suis gardien de moulin à ma retraite, comédien à mes heures, metteur en scène et grand farceur devant l'éternel. Et toi? Je m'appelle Leonardo Moriani. Pour un peintre, un bon nom. Les plus grands peintres sont italiens. Tout le monde sait ça. Toi, t'es qui? J'étais là hier quand t'es arrivé. Tes bagages, c'est moi qui les ai descendus de la machine du chanoine Coron. M'en rappelle pas. Je trouve ça dommage, par exemple. Pourquoi dommage? Si j'avais été moins saoul hier soir, je me serais souvenu d'avoir vu. Puis comme ça, j'aurais peut-être pas pensé que je me retrouve en enfer. Tu fais quoi dans la vie? On va dire qu'il y a eu suffisamment de présentations comme ça. Dans l'église, je vous ai expliqué le pourquoi de votre venue ici. Il me reste toujours à vous informer du comment. Et le comment, c'est par là. Tu savais quoi, Aurise? Photo. Aurise, savoir. Important trouver photo. Bonne photo. De quoi tu parles? Toi, dire d'abord. Pourquoi toi dans photo? Pourquoi regarder photo? Parce qu'hier, j'ai vu quelqu'un. Et que ce quelqu'un-là, je l'avais déjà vu avant. Qui? Quand bien même, je le dirais, Aurise. Ça ne te dirait rien. Oh, pas sûr. Moi, pas sûr. Oh, s'il te plaît, Horace, laisse-moi regarder tranquillement ce que je veux regarder. Regardez, moi aussi. Mademoiselle Kaufmann, emmenez Horace dehors, voulez-vous? Qui est Horace? Non! Veux voir photo. Veux voir photo de Bérangère, cherche. L'autre page. Photo, l'autre page. Non, Horace. Bérangère veut regarder par elle-même. Et pendant que Bérangère veut regarder par elle-même, je te serais très reconnaissante si tu allais avec Mademoiselle Kaufmann faire un tour dans le jardin. Horace, pas vouloir. Horace veut peut-être pas, mais c'est ce que je demande. Emmenez-la, s'il vous plaît. Viens, Horace. Horace, pas aimé. Pas aimé. Horace, savoir Roxane, puis aimé. Ma pauvre petite fille, si tu savais tout ce que je sais. Je le savais que je l'avais déjà vu avant-hier. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu entrer. J'aurais dû frapper avant, c'est certain. Mais Mademoiselle Kaufmann m'a dit d'entrer. Je n'aurais pas dû. Étant donné que vous avez l'air aussi dévasté que moi. Je me trompe? Vous ne vous trompez pas, Émile. Non. Vous ne vous trompez pas. Mmh.
Exalapha Arpen Jean-Baptiste. Eh ben, ça va lui faire une belle série de noms à votre garçon. Mais lequel il va vraiment porter, M. Laframboise? C'est pas au juste. Sa mère voulait l'appeler Artem. Moi, j'aime bien Exalpha, mais je pense qu'en fin de compte, il va porter le nom de son parrain, Jean-Baptiste. Exalapha. Et puis, qu'est-ce que vous allez en faire de ce petit-là, M. Laframboise? Ben, pour commencer, en arrivant à la maison tantôt, sa mère va lui donner à boire. Ah! Forcément! Puis, quand Jean-Baptiste sera capable, il va prendre sa chaudière puis il ira tirer sa vache à l'étable. Ah, oh, y a pas à dire, c'est pas long que c'est bien utile, un enfant, ça appelle. C'est pas long que ça vaut un homme engagé. C'est comme mon petit Phileas. Il a rien de 4 ans, mais vous devriez le voir dans le sou à faire son petit homme parmi les cochons. Voulez-vous bien me dire c'est quoi cette niaiserie-là? C'est une scène de la vie édifiante de Jean-Baptiste Laframboise de Gracien Gilliland. Et que nous allons présenter à nos paroissiens lors des prochaines festivités. Puis pendant que le monde va répéter ça, moi, il va falloir que je travaille. Le théâtre puis la peinture, ça s'appareille mal. Si ce grand peintre Képellan a collaboré au Fridolinade de Gracien Gilliland, je voudrais bien savoir pourquoi il serait impossible pour vous d'en faire autant. Et puis, j'imagine que plus souvent qu'autrement, vous allez préférer vous inspirer dans l'église. Vous savez, l'odeur de l'encens stimule le sentiment religieux. Je leur préfère les vapeurs de l'alcool, comme vous savez aussi. Ne revenez pas sur ce qui a déjà été entendu. Et mettez-vous donc au travail. On reprend la scène maintenant. Mais en y mettant de la vie, par exemple. Au travail, mes esprits, au travail. Joseph Exalapha Artem Jean-Baptiste. Je comprends que vous regrettiez votre décision, Émile, et je comprends aussi que vous voudriez reprendre votre parole. J'ai agi sous l'impulsion du moment, ce qu'un domestique ne doit jamais faire. Mais que M. Urbain veuille placer Mlle Roxane dans une maison de redressement, voilà bien quelque chose qui me paraît inacceptable. Ça l'est pour moi aussi. J'ai toutefois ici une carte avec laquelle il est peut-être possible de faire changer d'idée à Urbain. Mais il faut d'abord que j'aille voir quelqu'un pour m'en assurer. Voulez-vous que je vous accompagne? Je préférerais que vous fassiez faire à Aurise une petite promenade sur le Caligula. Si la carte que je tiens à la main est la bonne, je vous téléphonerai de chez Urbain. Et alors vous pourrez y venir tous. Et je crois qu'on aura évité le pire. Si tout peut s'arranger, je ne demande pas mieux. Merci. Si j'étais toi, je me méfierais quand même de Mike. La preuve, c'est qu'il t'a pas encore donné signe de vie, ce que t'avais pourtant promis de faire hier. Ben, je peux tout de même lui donner le temps de se retourner de bord. De toute façon, Mike sait qu'il n'a pas le choix. J'ai pas l'ambitude de l'emmerder avec les ordres que je donne. Ah, je sais, mais tu as demandé qu'il se débarrasse de Paulette. C'est un gros morceau pour lui. Je me fous pas mal que ce soit un gros morceau pour lui. Ce qui est important, c'est qu'il se débarrasse de Paulette. Comment tu penses qu'il va faire ça? Ça, c'est son affaire. C'est pas le mien. Paulette voudra jamais le lâcher. Ça aussi, c'est l'affaire de Paulette, pas le mien. Chez Mme Félix, bonjour. Minute, je vais m'informer. C'est Mike qui veut te parler. Ce serait peut-être mieux que ce soit toi qui y réponde. Non, vois ce qu'il veut. Je t'écoute, Mike. Ouais, j'en parle à Harry, puis je te fais signe. Pourquoi non? Attends, j'ai quelqu'un, là, ce sera pas long. Mike veut me voir, je réponds quoi? Dis-lui que c'est OK. Excuse-moi, Mike, je suis chez toi dans pas grand temps. Je me demande bien ce qu'il y a dans la tête. Quand tu vas l'avoir eu, tu vas savoir. Je m'en allais justement vous rejoindre pour notre petite réunion quotidienne. Rien de spécial pour aujourd'hui, à part le fait que j'aimerais savoir ce qui arrive avec la fille de Blondeau. Vous voulez vous renseigner pour moi? Je peux aller à la galerie Morale. Mais ça risque de vous coûter le prix d'un tableau. Je vous fais confiance. Vous pouvez oublier le tableau, je pense. Mmh. Vous prenez goût à la maison, on dirait. Ce n'est pas une question de goût, vous pouvez me croire. Le petit salon, j'imagine. Si vous voulez, vous venez, Harry. Cette fois-ci, je crois que ce serait préférable que non.
C'est sérieux à ce point-là. Alors suivez-moi. Madame Félix, pas l'habitude de recevoir dans les petits salons. De quoi tu te mêles? Excusez-moi, Monsieur Harry. C'était fini, tout ça. J'ai soif. Faut que je boive. Si je veux dormir, faut que je boive. Mais c'est pas plus le temps de dormir que de boire. Oh. T'as rien qui fait ça toute la journée. Là, on a des choses à régler ensemble, pour on va y régler, compris? Si t'arrêtes pas de me secouer, je vais être malade. Tantôt. On parlera tantôt, tu veux. C'est ça, dors donc. Si au moins, en le faisant, tu trouvais l'idée pour que tu te réveilles plus jamais. Qu'est-ce qui marche pas encore, là? Ouais, il me semble que c'est pas compliqué à comprendre. Elle a pas dessoulé depuis hier. Ouais, c'est à toi d'y voir. Je pense qu'Harry était plutôt clair là-dessus. Puis quand Harry est clair sur quelque chose, faut mieux faire ce qu'il demande. Sinon, tu devrais déjà savoir ce qui t'attend, toi. Hey, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec elle? Je suis même pas pour la tuer. La tuer? Va être arrangé pour qu'elle fasse elle-même. Pas juste une solution pour régler un problème. Tu parles pas sérieusement, là, j'espère. Je parle comme je dois parler. Pour rien d'autre. Je te bim, moi! Pas un assassin! Et après, ça change quoi, dans le fond? Vous portez des lunettes noires. Quand on porte des lunettes noires, même en plein jour, c'est parce qu'on a quelque chose à cacher. Sur la photo, vous n'avez pas de lunettes noires. Est-ce la raison pour laquelle vous prétendez qu'il ne s'agit pas de vous? Je prétends rien, je suis certaine qu'il ne s'agit pas de moi. Regardez la photo. Je veux dire, regardez-la vraiment. Depuis que je suis ici, et ça fait déjà un bon moment, vous ne l'avez pas fait encore. Je ne veux pas regarder. Bon, et si vous ne voulez pas regarder, peut-être pouvez-vous au moins répondre à une question? J'aimerais mieux pas. Je veux savoir si vous avez fréquenté mon fils Urbain il y a quelque chose comme 25 ans de ça. Que j'ai fréquenté votre fils ou pas. Quel intérêt ça peut bien avoir maintenant? Pour vous, aucun, sans doute. Mais pour moi, ça peut avoir de l'importance. Ce sera à votre tour de m'expliquer. J'ai toujours pensé qu'Urbain me cachait quelque chose, du moins depuis sa jeunesse. Et ce quelque chose-là qu'il me cachait, je crois bien maintenant que c'est vous. Avant d'étudier à l'université McGill, Urbain était le meilleur des garçons. Si j'en juge d'après la photo, j'imagine que c'est à cette époque-là qu'il a dû faire votre connaissance. Où voulez-vous en venir? À la vraie question que je tenais à vous poser et qui est la suivante. Quand vous sortiez avec Urbain, quel métier faisiez-vous? Je n'ai pas à répondre à ça. Et maintenant, faites-moi plaisir, allez-vous-en! Je vais le faire. Mais auparavant, je tiens à vous dire que je n'ai rien contre vous. Parce que je sais tout ce que la vie peut écorcher dans le vif de soi-même. Sortir, je veux juste dormir. De l'air, ça te fera pas de tort. À part ça, si tu veux travailler chez Mme Félix aujourd'hui, il vaudrait mieux que tu dessoules. Mme Félix, vous pouvez bien vous la mettre où vous voulez. Moi, ça fait déjà trop longtemps que je me fais corser par elle. Ah! J'ai pas besoin de poteau pour me tenir debout. Ça, c'est bien meilleur. Paulette, ça va faire. T'es en marche chaude de même. J'ai soif! J'ai jamais eu autant soif de ma vie. Paulette! Ah! Laisse-la donc faire. Un peu plus, un peu moins. Je
Je vois mal le centuple que ça va faire avec ça. C'est toi qui aurais dû être mon Marc, pas lui. Ouais. De l'air à cette heure. C'est ça. Allons-y. Xalapha, Artem, Jean-Baptiste. Pas! Tu nous écoutes pas? J'écoute plus, c'est pas pareil. Ça donne rien de répéter quand on sent plus les choses. À part de ça, pour qu'on avance, il faudrait que Delicia soit là. On aura besoin du contrepoids de la lectrice, qui est son rôle. J'ai dans l'idée que Mme Curie est davantage préoccupée par Leonardo que par Gracien Gélinas. Quand Leonardo est allé travailler tantôt dans l'église, elle a pas mis de temps à courir après lui. Trouver une autre comédienne pour le rôle de la lectrice, peut-être que ce serait pas une mauvaise idée. Quand quelqu'un de nouveau arrive dans son royaume, Delicia se possède plus. Elle est comme toutes les vieilles filles. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant l'émoustille aussitôt qu'un homme se présente au presbytère. Mais ça dure jamais bien longtemps. La nouveauté passée, elle retombe sur ses pattes. Mais en attendant que ça lui arrive, là, on pourrait peut-être répéter une autre scène, Edmond et moi? On a déjà pas mal travaillé. Là, je suis pour qu'on fasse intermède. Si on allait faire un tour à l'église, question de voir ce que Leonardo graffigne avec ses pinceaux. Je suis pas certain qu'il va aimer ça. Ben, s'il aime pas ça, il aura juste à nous le dire. Vous oubliez votre bébé, mon père. C'est vous qui devez le porter, pas moi. Ça fait que battrez-moi pas avec, comme dirait Fridolin. Je le savais. Que je le savais donc. C'est absolument épouvantable, Odilon. Delicia, vous savez que je n'aime pas être dérangée quand j'écris mon sermon dominical. Je serais donc très reconnaissant de me laisser travailler en paix. Il faut que vous veniez à l'église. Il faut absolument que vous veniez voir ce qui se passe. Je n'ai pas le temps d'y aller. Je me suis retrouvé une bonne partie de la matinée et ça m'est bien suffisant. Mais vous allez quand même pas laisser faire ça. Laisser faire quoi? Votre prétendu peintre que vous êtes allé chercher à Montréal, eh bien, il est en train de déshonorer votre église. Parce qu'il met des petites taches de couleur sur du papier? Ça, j'ai pas eu le temps de voir ça, mais en sortant de la sacristie, votre prétendu peintre avalait une gorgée d'alcool à même le flasque qui a été ensuite déposé sur la balustrade. Et dans le flasque, il n'y avait peut-être que de l'eau. Quand on grimace en buvant, il y a peu de chances que ce soit de l'eau qu'on avale. Bon. Ne serait-ce que pour vous contenter. Je vais aller voir. Ça bouge dans mon ventre. Depuis ce matin, ça bouge beaucoup dans mon ventre. À cause de l'enfant Jésus que vous portez, je sais. J'ai affreusement mal à la tête. Ça me cogne la dalle, comme si c'était à la veille d'éclater. Delicia va s'occuper de vous. Moi, je dois répondre à l'urgence. Mais c'est de vous dont j'ai besoin, chanoine Caron. Seulement de vous. Comme vous n'êtes pas la seule à avoir besoin de moi, l'enfant Jésus que vous portez devra attendre un peu. Je ne sortirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas entendu en confession. Alors asseyez-vous et attendez. Delicia, oubliez donc la dose d'aspirine, je crois que ça s'impose. Ça fait combien de fois que je le dis, j'aime pas ça quand on regarde par-dessus mon épaule. Si l'artiste est vraiment concentré, il n'y a rien qui peut le distraire de son œuvre. En tout cas, j'ai déjà lu ça en quelque part. Pour accoucher d'une pareille niaiserie, celui qui écrit ça devait être loin d'être un artiste. S'il vous plaît, allez voir dehors si je suis là! Excuse-nous. On pensait vraiment pas te déranger à ce point-là. Allons-nous-en. Mettons les choses au clair tout de suite. Plutôt que de travailler dans la rallonge cet après-midi, vous m'avez demandé de venir faire quelques esquisses ici. Mais ici, c'est mon église.
Et dans mon église, on ne fait rien de plus que ce que j'autorise. J'ai jamais peint autrement qu'en buvant. Boire, ça me permet de rester à distance de l'œuvre à faire. Sinon, ça devient tout comme un feu dans mon corps, puis ça fait juste la bêtise. Comme ce qu'il y a ici dedans. Pour que votre corps ne prenne pas feu, je connais une médecine autrement plus efficace que l'alcool. J'en doute. Prenez votre attirail et accompagnez-moi. Vous verrez bien. Vous accompagnez? Où ça? Quand je donne un ordre, ce n'est pas pour qu'on me pose des questions insipides. Alors faites plus simplement ce que je vous demande. Pourquoi je devrais vous obéir? Pourquoi je prendrais pas plutôt mon petit pack-sac pour m'en aller là où je pourrais vraiment avoir la paix? Après ce que vous avez fait à cette jeune fille de Montréal, je pense que c'est de la prison que vous voulez me parler. Je ne crois pas que ce soit là la place idéale pour un artiste, même déraisonnable comme vous. Aussi, viens donc plutôt avec moi. Ma pauvre Madame Blanchette, je crains fort que le chanoine Caron ne sera pas de retour avant un bon moment. Je viens de le voir partir dans sa machine pour aller à une urgence, mais à l'autre bout de la paroisse. Je pense que vous feriez mieux de retourner chez vous et de revenir un autre jour. Mais un autre jour, ça va être trop tard. L'enfant Jésus que je porte risque de venir au monde bien avant. Et avec le mal de tête que j'ai, là, ça pourrait être catastrophique. Mais je vous ai donné une aspirine tantôt. Mais c'est pas un mal de tête ordinaire. À cause de la langue de feu du Saint-Esprit qui se promène dedans. S'il fallait que ça descende jusqu'à mon ventre, j'ose même pas penser qu'est-ce qui arriverait. Peut-être quelques aspirines de plus vous soulageraient enfin. Tenez, avalez ça avec un peu d'eau. Vous savez, j'aurais jamais pensé que mettre l'enfant Jésus au monde, ce serait aussi dur. L'avoir su, là, j'aurais refusé que l'archange Gabriel m'apparaisse tandis que je prenais mon bain. Vous me croyez au moins. Hein? Mais oui, ma pauvre Madame Blanchette, je vous crois et je compatis avec vous de tout cœur. Même s'il y a déjà un bon moment que je me suis familiarisé avec vos méthodes, je ne pense pas tout savoir encore. Vous en avez contre la thérapie aquatique, Olivier? Non. Mais, comme n'importe quelle thérapie, j'ai toujours pensé qu'elle devait se faire dans le privé. Vous dites ça parce que j'ai laissé Edmond accompagner Leonardo dans les eaux de la Chacoura. Et pourquoi donc? Moi, j'appelle ça faire d'une pierre deux coups. Leonardo va y trouver son compte, tout comme Edmond, d'ailleurs. Il faut toujours se méfier du feu qui couve sous la cendre. Il suffit qu'on y soit plus attentif pour qu'il se réveille et brûle tout avec lui. Pour ne rien vous cacher, donc, mon jeune vicaire, je le trouve bien tranquille ces jours-ci. Peut-être qu'il est rentré dans le moule plus rapidement que vous ne le pensiez. On s'est très étonné. À moins, évidemment, que la jeunesse n'ait changé totalement depuis la fin de la guerre, ce dont je doute fort. Et elle serait quoi, cette jeunesse, d'après vous? Beaucoup plus malicieuse que celle de notre temps. Parce que c'est la solitude qui la détermine. Nous autres, nous avons toujours vécu avec plein de monde autour de nous. Nos familles étaient nombreuses. Ce n'est plus le cas, désormais. Edmond est un orphelin, tout comme Leonardo. Et tout comme votre fille, d'ailleurs. Le sens que nous avons toujours eu de la parenté, ils ne peuvent pas l'avoir. Mais comment se réchappe-t-on de la solitude? En devenant complice des gens de son âge. Et ce complice, j'espère que Leonardo le deviendra pour Edmond, qui en a bien besoin. Et si on parlait de ma fille? Les filles ont plus de chance de ce côté-là. En devenant mère, elle s'ouvre à toutes les complicités. C'est bien profond, ce que vous dites là. Mais j'aurais comme l'envie de demander à ma fille ce qu'elle en pense.
faire! Là, j'ai le goût de faire quelque chose depuis tantôt, puis je vais le faire! Ouais, donc! Quoi c'est que t'as le goût de faire? Regarde! Tu verras bien! Je suis pas certain que vous l'aviez prévu, celle-là. On peut pas tout prévoir. Si on le pouvait, c'est la vie qui perdrait, tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Pour moi, c'est comme on dit, tigadoo ride through dessus l'abîme. Vous avez raison, Olivier. Magister dixit. Dire ce que Mike va faire avec Paulette parce que lui-même l'ignore encore. Mais on peut déjà être assuré que Paulette ne remettra plus les pieds ici. Après tout, c'est ce que tout le monde veut, non? Ce genre de décision-là, c'est à moi de les prendre. C'est moi qui en ai pris l'initiative. Parce que ces jours-ci, je trouve que vous aviez bien d'autres chats à fouetter. Je vous blâme pas, Harry. Mais j'aurais préféré qu'on m'en informe avant. Ce n'est pas trop tard pour faire la marche arrière. Si vous voulez, je peux en assurer Mike. Ce ne sera pas la peine. Ce qui est fait, est fait. Autre chose? Eh bien, pour le reste, on ne peut pas s'avancer très loin. En tout cas, tant qu'on n'aura pas la réponse de Blondeau s'il accepte la proposition de Victor, il retourne à l'escouade de la moralité. Ça peut changer bien les choses. Notamment pour les enquêtes qu'on fait sur la famille de Blondeau. Vous en êtes rendu où, là-dedans? Eh bien, du côté de Florange, rien à signaler. C'est une petite fille du plateau Mont-Royal qui fait la dame patronesse à l'hôpital Saint-Justine. Et s'occupe de la ligne des Sacré-Cœurs avec Cornelius Padnaud. À part de ça, pas d'amant, pas de vice caché, rien. Un petit vie de bourgeoise, quoi. Mais pour Roxane, vous en savez aussi long que moi sur le sujet. On recherche le peintre qui l'aurait violé et que vous connaissez d'ailleurs, dénommé Leonardo Mariani, qui habitait presque en face d'ici. Qui habitait? Oui, il a pris les bagages hier au soir, mais on ne sait pas pour où. Sur Bérangère Blondeau, vous savez quoi? Que son mari était médecin au Carré Saint-Louis et a effectivement fait fortune dans les avortements clandestins. Sa femme le savait? Oh, difficile à dire. Parce qu'il faudrait lui demander à elle-même et ce serait plutôt embêtant. Mais j'ai des gens qui travaillent là-dessus. Mais pour notre cher Urbain, je peux vous donner tous les noms et les pédigrés avec toutes les filles avec lesquelles il a couché depuis 5 ans. Ça en fait un beau collection. Mais attendez qu'on aille jusqu'au bout. La panoplie risque d'être très importante. Je pense pas que ce soit nécessaire que vous remontiez plus loin. C'est pourtant ce que Victor m'avait demandé de faire. Je vais en parler avec lui, nous verrons après. Quand vous voulez, maintenant qu'on a fait le tour de toutes les questions, Benjo et moi, on va s'occuper de la maison. Merci. Quel secret? Est-ce que c'est possible que ça reste privé jusqu'à la fin de ses jours? Quand Florence m'a téléphoné hier, j'étais loin de me douter que c'était aussi grave. Sinon, je serais pas allé à Québec rencontrer les gens du bureau du premier ministre. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans l'Union nationale qui joue dans les pattes de la Ligue du Sacré-Cœur. Ah, ça me paraît maintenant évident. On n'a même pas encore remis à M. Duplessis notre rapport sur la presse jaune. Notre société va bien mal, mon cher Émile. Bien mal.
Ce qui arrive avec Roxane en est la preuve la plus terrible. Quand ça craque jusque dans la famille, c'est qu'on a atteint le fond du baril. Et puis? Urbain a toujours l'intention de placer Roxane dans une maison de redressement. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas plus d'affaires ici que j'en avais hier. Attendez encore un peu, Émile. Si Bérangère a tenu à être seule avec Urbain, c'est qu'elle envisage une autre solution. Je voudrais bien y croire, mais je suis profondément sceptique. Me permettez-vous d'aller faire mes adieux à Mademoiselle Roxane? Orise est avec elle dans sa chambre pour le moment. Ça serait mieux de les laisser toutes seules. Et Roxane, elle va comment maintenant? Pas moyen de la faire sortir de sa chambre. Pour éviter qu'elle fasse une autre bêtise, j'ai passé toute la nuit, toute la journée avec elle. À ma petite deux mots. Couchée dans son lit, le visage tourné vers le mur sans manger ni boire. J'ai peur qu'elle imagine le pire pour elle-même. Si elle doit se retrouver dans une école de redressement, comment pourrait-elle ne pas imaginer le pire? Moi-même, je le ferai. Et sûrement moyen de s'arranger autrement, je peux pas croire. Notre dernier espoir, c'est Bérangère. Je souhaite tout simplement qu'elle réussisse là où tout le monde a échoué. Préparez-moi un petit quelque chose, voulez-vous? J'ai les nerfs à plat. Ah, je voudrais bien, mais je l'ai dit à M. Cornelius tantôt, ne faisant plus partie de la maison, je n'ai plus le droit de servir. Merci, Émile. Merci pourquoi? De demeurer quand même avec nous. De souffrir avec nous dans votre amitié. Je ne l'oublierai pas de sitôt. Moi non plus, Madame Fleurange. Moi non plus. Je voudrais d'abord comprendre pourquoi tu m'offres un marché pareil. Je comprends pas le rapport qu'il y a entre Roxane et les engagements financiers que tu as pris pour moi. Bon, t'as payé mes dettes, tu m'as endossé à la banque pour les emprunts que je pouvais plus rembourser, mais tout ça a rien à voir avec ma fille. D'une certaine façon, non, et j'en conviens. Mais pour aucune raison au monde, je ne veux que Roxane soit placée dans une maison de redressement. Ce serait bien suffisant pour qu'elle n'en revienne jamais. C'est pourtant ça qui va lui arriver. J'ai téléphoné à mon amie, la supérieure du couvent des Ursulines des Trois-Rivières. Elle est prête à accueillir Roxane comme pensionnaire, et dès demain, s'il le faut. Les Ursulines n'ont pas la réputation d'être bien sévères, et c'est ce dont Roxane a besoin. Autrement dit, pas question qu'elle se retrouve avec elle. Autrement dit aussi, je démords pas de ce que je pense, c'est l'école de redressement pour Roxane. Pour le reste, j'ai l'impression que tu vieillis et que tu as désappris à me connaître. Penser que je vais troquer ce que je crois nécessaire pour ma fille en échange de mes dettes et de mes emprunts, mais c'est rien de plus qu'insultant pour moi. Et tu me donnes pas le choix, Urbain. Je voulais pas me servir de cette carte-là. Et tu m'y obliges. Quelle carte? Celle-là. Juste un petit coup d'œil et tu vas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi et une dénommée Madame Félix Brisebois, il y a 25 ans. Ça vient faire quoi dans le paysage? Tu peux répondre à la question toi-même rien qu'en réfléchissant-tu. Pour le moment, moi, je ne peux pas encore. Mais si je me mets à graffiner d'ici de là, je n'ai aucun doute que je vais apprendre certaines choses qui vont être plutôt loin de ton avantage. Avant de me marier, je suis sorti avec des tas de filles dont tu dois aussi avoir les photos. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Je te l'ai dit, c'est à toi de faire réponse là-dessus, pas à moi. Quand tu auras trouvé la réponse, tu me le feras savoir. Mais pour que tu comprennes bien, permets-moi de récapituler. Ou Roxane devient pensionnaire chez les Ursulines et alors je te libère de tous tes soucis financiers, ou bien tu la places dans ta maison de redressement et moi je vais voir derrière la photo que je t'ai remise. Il ne s'agit plus de Roxane ni de marché. Il s'agit de chantage tout court. Je sais que tu as une bonne mémoire, mais même les bonnes mémoires sont portées à oublier ce qui ne fait pas leur affaire. Ma propre mère! Ma propre mère!